Bonjour. Alors, est-ce que vous avez étudié la leçon bien et vous avez cherché les mots expliqués? Alors, je veux voir sur WhatsApp si vous m'envoyez les mots expliqués. Maintenant, je veux commencer à continuer la leçon. On a dit que c'est la journée de la bataille des cerfs-volants. Il y avait le plus beau cerf-volant qui appartenait à un homme de cinquantaine d'années. Il avait un gros cerf-volant qui est pareil comme un papillon grand, un grand papillon jaune et noir avec des ailes immenses. Alors tout le monde regardait ce cerf-volant, le cerf-volant de gros homme à l'homme de cinquantaine d'années que l'on connaît. Alors, cet homme a lancé le cerf-volant très haut, il vidait la bobine et donne le fil au cerf-volant pour s'envoler dans le ciel. Alors, il volait si loin de la terre qu'on ne voyait plus le fil qui le retenait. يعني لدرجة إنه بطلنا نشوف الحبل اللي طاير فيه السيرفولون. On continue maintenant. Quand Mondo et le gitan s'étaient approchés, l'homme avait donné la bobine et le fil à Mondo. Tiens-le, dit-il. Mondo essayait de résister au vent. Si ça tire trop, tu donnes un peu, puis tu reprends après. À tour de rôle, Mondo, le gitan et l'homme avaient tenu le cerf-volant jusqu'à ce que tous les autres fatigués retombent dans la mer. Tout le monde avait la tête renversée à l'air et regardait le grand papillon jaune et noir qui continuait à planer. C'était vraiment le champion des cerfs-volants. Il n'y en avait pas d'autre qui sache monter si haut et voler si longtemps. Alors, très lentement, l'homme avait fait descendre le grand papillon mètre par mètre. Le cerf-volant tanguait dans le vent et on entendait les détonations de l'air dans sa voile et le sifflement aigu du fil. C'était le moment le plus dangereux parce que le fil pouvait se rompre sous la tension et l'homme avançait un peu en enroulant la bobine. Quand le cerf-volant avait été tout près du rivage, l'homme s'était déplacé sur le côté, en tirant d'un seul coup, puis en lâchant le fil, et le cerf-volant avait atterri sur les galets, très lentement comme un avion. La prochaine fois, je t'apprendrai comment on fait un vrai cerf-volant, disait l'homme. Au mois de septembre, c'est la bonne saison et tu peux faire voler ton cerf-volant comme un oiseau presque sans le toucher. Mondo pensait qu'il ferait le sien tout blanc comme une mouette. Alors, on reprend la lecture. Alors, quand Mondo et le gitan s'étaient approchés, l'homme avait donné la bobine. L'homme avait donné la bobine et le fil à Mondo. Tiens-le, dit-il. Alors, Mondo et le gitan, on le sait bien, les personnages principaux du texte, l'homme avait donné la bobine et le fil à Mondo. Chame le zalam et les mains, le grand papillon. Attends, le cerf-volant. Le chète, les mescou. Tiens-le bien, dit-il. Alors, ça, qui parle ici, tiens-le bien. L'homme, c'est comme c'est l'homme, parle à Gitan. À Mondo. La noua, le chète, la Mondo. Mondo essayait de résister au vent. Alors il y avait un gros vent. Il résiste. Sari awa mel hawa Mondo. Ici qui parle? Mais n'chouf deux guillemets. Ma'ana ta fi hada n'am yihki hon. Si ça tire trop, tu donnes un peu, puis tu reprends après. N'am yati ta'alimet hon. Min, c'est l'homme.
عم يحكي مع موندو. قال له سي ساتير ترو، إذا شدت كتير، تو دون أن بو، تعطيها شوي، بوي تو ربخون أبخي، يعني بتشدها شوي نزول، ترجع هي بتطلع أكتر. À tour de rôle, Mondo, le gitan et l'homme avaient tenu le cerf-volant jusqu'à ce que tous les autres fatigués retombent dans la mer. فإذن بلشوا موندو جيتان إيلام يمسكوا منيح بالسير فولان، وبقية الناس اللي معهم سير فولان تعبوا ووقعت السير فولان اللي إلهم دان لا مير. Tout le monde avait la tête renversée en l'air et regardait le grand papillon jaune et noir qui continuait à planer. كلهم وين عم بيطلعوا بالسما وعم بيشوفوا le grand cerf volant jaune et noir كيف بعده مكمل طيران بلاني. C'était vraiment le champion des cerfs volants. Il n'y en avait pas d'autre qui sache monter si haut et voler si longtemps. فإذن كان هو هيدا السيرف فولون جون اي نوار هو الشامبيون، هو البطل بين هود السيرف فولون كلهم. Alors, très lentement, l'homme avait fait descendre le grand papillon mètre par mètre. كيف هلا بده ينزل السيرف فولون؟ مش بشده شده وحده. Il le fait descendre mètre par mètre. Mètre, mètre. Le cerf-volant tanguait dans le vent et on entendait les détonations de l'air dans sa voile. À qui tafou unto? Aya chi betir, khasra koun khafif, met le cerf-volant. L'hawa bit'abba fi. Et le sifflement aigu du fil. M'nisma sot safir, le tabal l'khait. C'était le moment le plus dangereux parce que le fil pouvait se rompre sous la tension. فإذن هيدا الوقت اللي بننزل فيه السير فولون بيكون هو الأخطر، لأنه ممكن إنه الخيط ينقطع على الضغط. Et l'homme avançait un peu en enroulant la bobine. Quand le cerf volant avait été tout près du rivage, l'homme s'était déplacé sur le côté en tirant d'un seul coup. Puis en lâchant le fil et le cerf-volant avait atterri sur les galets très lentement comme un avion. فإذن بلش ينزل شوي شوي، آخر شي شد وشد قوية، نزل شوي شوي مثل كأنه عم نزل أفيون طيار. D'accord. La prochaine fois, je t'apprendrai comment on fait un cerf-volant. Regardez, il y a ici un guillemet, يعني il y a quelqu'un qui parle. Qui parle ici? قال له بدي أعلمك المرة الجاية كيف تعمل vrai cerf volant. أكيد c'est l'homme عم يحكي مع موندو. Disait l'homme. Au mois de septembre, c'est la bonne saison et tu peux faire voler ton cerf volant comme un oiseau. فإذن بشهر سبتمبر، شهر أيلول، أفضل فصل أو أفضل وقت يعني المفروض يكون لنطير سير فولون مثل العصفور. Presque sans le toucher. بدون ما تدقره. بتصير لأنه بكون في هوا بشهر تسعة بأيلول. Mondo pensait qu'il ferait le sien tout blanc comme une mouette. Mondo فكر أنه يعمل cerf volant كله أبيض مثل المويت. المويت هن العصافير اللي بغطوا على البحر بشهر أيلول معروفين هودي. اسمه المويت. C'est clair? Alors, vous avez pour demain à chercher dans le dictionnaire le mot résister, encore le mot détonation, sifflement aigu. Rompre et rivage atterrir et ça suffit. Et vous avez encore de voir les questions. C'est clair?
Vous avez les questions comme devoir. Celui qui a une question, il peut me demander sur WhatsApp.